Enfin, des sous, environ 40 millions de rentrées chaque mois sur le marché haïtien pour consommation, production de local là, pourquoi elle est là, qui paraît faible en pile, pas en mesure pour satisfaire demande qui gagne sur le marché local là. D'après une étude, des quantités de qui rentrent sur le territoire national là, coûté PIA, en total 50 millions de dollars, une devise qui obligé à aller dans un pays étranger, côté commerçant nous à l'acheter de ça yo. Contrebande, corruption, irresponsabilité, l'État haïtien, producteur au plein empire, la cause concurrence déloyale qu'a faite dans ce secteur qui se route pour détruire filière avicole haïtienne et malgré l'effort qui fait dans l'idée pour relancer ce secteur pendant dernière année, ça y est, il y a en pile l'action qui était proposée et en façon pour permettre Haïti autonome dans ce secteur ça. De l'année après décision, l'État haïtien pour interdire une série de produits rentrés dans le pays en commun, secteur avicole lanyé, qui impacte sous l'économie haïtienne. Nous allons suivre ensemble un grand reportage avec Michel Joseph, Ami Bracken, dans tête collée à Crown Earth Media, à Radio Caraïbe. Et là, je me vends des spaghettis, tout le bagaille, c'est ce nom même. Sosso Massa, c'est nos mains. Zé, c'est nos mains. Et Spaghetti, c'est nos mains. Yon kasol sou yon rechaud kek zé nan yon carton, épices, pain ak divers lot accessoires ki bien rangé sou yon table, sou trottoir, pas trop loin l'église sacrée nan Port-au-Prince, c'est l'odeur yon zé fri kap monté pendant la messe 8 heures ap chanté. Nan det an 3 mouvements, Jorel getan préparé yon sandwich. Yon bon pati nan prodwi Jorel itilize yo soti nan Republik Dominikèn. Pou komès li a, zè importe yo ta semble gen plis avantage. $600 kes la vann. Kes la gen konbyen karton? 12 karton. Chak karton yon vann 250 goud. Medel nan pe, medel nan espagheti. E pou ki sa nan pa itilize yon zè ki fèd nan Haiti? Nou pa konel, sa pou moutre nou l. Zè peyi a? Ma vann 3 karton zè pa jou. Ki kantite zè peyi mwa l'achete pou m'itilize la? 3 zè peyi vann pou $15. Dans le pays d'Haïti, Zé a représenté un gros pilier dans la consommation de la population, surtout chaque matin. Dans la rue Port-au-Prince, Miland, maman des petites, a vendu Zé bouillé, figmi, à pain depuis 14 l'année. Dans le commerce, l'IA, ou a joint ni Zé pays, ni Zé importé. Cependant, d'après ça, les raconté, plusieurs raisons expliquer présence des qualités Zé Sayo dans qui vêt l'IA. Zé pays m'a vendu sur le Bénin, Zé blanc, sur le Malbas. Zé pays a vendu $6. Zé blanc vend 15 gouttes, de vous 5 gouttes. Ouais, c'est ça qui est bon pour vous, ça remet. Il y a des gens qui remettent Zé blanc, des gens qui remettent Zé paya. Zé blanc vend plus parce qu'on est le plus bon marché que Zé paya. Par exemple, on a gagné 6 dollars vachement organisé, pays, il a acheté 2 Zé blanc. Zé blanc, il vend 10 gouttes, puis on a monté, il vend de vous 5 dollars, 3 dollars. Oui, Zé paya, il vend 7 dollars, 8 dollars, on a vachement plus Zé paya, il vaut 13 dollars. Ouais, c'est local là qu'a combattu, c'est là qu'a sorti l'autre côté. Yo, yon rêve en pile acteur haïtien a caressé depuis quelques années. Dans marché en bas la ville Port-au-Prince, c'est là où a joué quelques commerçants qui toujours traversaient frontières. Jimani Malpasse là chaque semaine. Yon lâché qu'est-ce là, $550. Sonia René, gain 47 l'année. Laissé maman des petites. Madame ça a commencé dans le commerce ZEA après 12 janvier 2010. Oui, nous connaissons ce pays, mais ce n'est pas facile. Les voiles achetées ici, ils voulaient faire des dépôts à la banque. Et nous-mêmes, nous n'avons pas l'argent suffisamment pour nous faire des dépôts à la banque. Là, nous-mêmes. Et pas un commerce comme si on n'a pas acheté, il y a un niveau comme ça, non. Il faut qu'on ait un côté de la banque pour faire des dépôts avant de vendre. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas moyen, tout ça nous a gagné, nous avons pris déjà. ZEA Pool, c'est une filière qui contribue en pile à créer des bouchers économique pour quelques mois. Jackson, un jeune garçon 30 l'année, était qu'on fait métier ébéniste. Mais il quittait pour entrer dans le business là depuis l'année en bas la ville là. Jackson expliquait pour qui ça saisait Dominicain vivant. Les Haïtiens achetaient le dire pas calé, les bouts il est pas bon pour eux. Il est pas bon pour nous, il va vendre. Non, il est pas calé comme ça, il va bon, les calés sont à toute vie, en a tout cher. On veut que d'avoir une caisse là, que d'avoir une pote de 2-3 semaines, il va vendre. L'autre comme là, non, on change en perso, bien acheter l'américain avec, on va vendre. En américain, on va acheter avec. Bon, américain, on veut monter tellement haut, il va acheter $35 américains, il va acheter $34 américains pour une caisse. Soti en bas la ville, n'a pris direction quelques maquettes dans la capitale haïtienne.
fifo zè ki sou etajè yo, se zè ki soti l'ot kote. Nou te pale ak plizye responsab ki eksplike rezon realite sa. Bon, nou gen lokale impote. Nan impote, gen plizye gen ni laj, ekstra laj, medium, jumbo. E lokal gen ZPI. Lokal, men se ba lokal vreman, son poule blan liye. Kon se yo ambale yo selman. Ok, so gen zè ki vreman lokal paske mama yo lokal. Pour le local. Oui, pour le local, ça est pour le pays même. Ok, mais il y a un zoo qui est local, mais pour le importer des États-Unis. Oui, je pense ça. Bon, pas qu'on qui paye exactement, mais je pense ça. Il y a une différence en prix. C'est toujours comme ça. Et puis, c'est poser et importer toujours prix ou variété, ça dépend de chaque semaine, un prix différent. Mais j'ai local, c'est mon yo, c'est cap jouer avec prix ou j'ai ou vle. Nous pas qu'à faire rien avec eux, votre mon yo a monté prix ou vin presque plus chaque qui j'ai importé. C'est toujours j'ai local qui pis bon, mais quand même, quand y a là dedans qui pas bon, bon, c'est mettre yo cap mélanger avec j'ai qui pas bon. Des fois, comme ça. Mais toujours plus bon qu'ils aient importé, c'est normal, parce qu'ils aient importé, on va même continuer qu'ils aient stocké là. Même si on connaît toute valeur nutritive qui gagne dans ces locales là, commerçants, ils ont quand même priorisé bénéfices économiques là. Mettez sous ça, producteurs locaux, ils ont pas emmisé produits assaisés pour satisfaire demande locale là. Nous rencontrer un autre responsable maquette dans Port-au-Prince. Il y a l'autre qualité des pays. Et les mêmes blessements, problème là, nous bagagement n'est facile. Et les mêmes blessements, ça qui a été fait, des pays, l'ampoule est locale. Et qui est la différence qu'un pays a fait ça? L'autre là, comme si on est blessé, il est bifo, le bigo, pour le vin et bibite, il est blessé. L'ampoule est ici, l'ampoule est ici pour le pays. Okay. Mais ça, c'est pour l'Haïti tout, non? Non, pour lui, ça, pas pour le local, pas pour le pays. D'après l'étude qui menait sous consommation, c'est dans le pays, il chiffre pas petit du tout. Nous t'ai parlé à Kagonom Michel Chancy, ancien secrétaire d'État production animale dans le ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural. Actuellement, il y a environ 30 à 40 millions d'œufs que nous consommons. Chaque mois, on m'a parlé œufs poules blanches. Sur le marché local, là, œufs qui produisent en Haïti n'ont pas dépassé 25%. Tout reste là, sorti dans la République dominicaine ou bien dans les États-Unis. Sorti l'année 2011 pour arriver 2017, Haïti produit seulement 7 millions œufs chaque mois. Gros progrès comparativement à l'année avant, yo, côté pays, t'es qu'on produit seulement 1 million. La différence de prix, elle est assez grande, surtout pour producteurs, yo. En République dominicaine, producteurs, ils ont installé depuis des années, ils ont finalement sorti tout équipement, yo, et puis ils ont gagné une très grande production, qui fait que parfois ils ont gagné surplus, et donc surplus ça, yo, le fin vend tout ça, ils ont pour faire, c'est yo qui a le vend à Haïti. En pile fois, c'est des œufs qui pas même frais encore. Parfois, ils ont mélangé œufs frais avec œufs pourris, et donc ça veut dire, il est difficile pour un producteur ici là faire compétition avec type de œufs ça, yo. Qui pas de bonne qualité. Quelle différence qui gagne en disant qui produit dans le pays d'Haïti, axila qui produit dans la République dominicaine, qui envahit marché, qui j'en catabli différence entre des qualités et ça y est, Agonome Michel Chancy a tenté de répondre. Différence qui gagne, c'est dans la fraîcheur. Sous cas, c'est un œuf dominicain, ou après, un pile fois blanc, étendu comme ça. Pour qui ça? Parce que, manque de fraîcheur. Avec le temps, il commence à délala. Œuf qui fréa, son œuf leur casser le blanc en vigne était dû comme ça. Ça qu'arrivait au tomber son œuf pourri. Il y a un pile facteur qui est capable d'expliquer les difficultés pour œufs qui produit en Haïti faire compétition à œufs qui sont sur le bord frontière. Ça qu'a mené nous à rencontrer une série de producteurs souterrains. Monsieur Jean-Marc Arena, médecin vétérinaire, situé au sud-est de Jacmel. Normalement, la production diminue en pile. Et une des raisons que diminue, c'est par rapport à marché contrebande. En pile produit qui pas contrôlé par la douane, qui vient vendre à un prix plus abordable que produit local là. Même si il pas de qualité, mais de prix plus abordable. Mais nous-mêmes, entrepreneurs locaux en Haïti, nous subis vraiment gros frappe de ça. D'après producteurs haïtiens, les affaires contrebande sous frontière, c'est un cancer qui a tiré production locale là. Dans Tomazo, nous visitons ferme Haïti Boileuse. C'est une des plus grandes fermes de production zé dans le pays d'Haïti. Qui est-ce dans le poulailler qui peut ramasser ce? Tu peux ramasser. Mais là, il y a un bon qui est utilisé là. Sur un total 100 carottes et environ 450 000 poules capon, Haïti Boileuse produit chaque jour entre 950 et 1000 caisses chaque jour. Dominique Chargent, c'est une responsable. La visite à nos espaces là, pendant la expliquer ça où est le phénomène dumping producteur dominicain. Il y a deux qualités de compétition déloyale. Il y a une qui sortit sous frontière,
parce que premièrement ça qui fait c'est que en République dominicaine ces œufs ça les dumping là qui y a pas besoin la caillou vous voyez la caillou et quand il est arrivé sous frontière il arrivé dans des camions œufs passé misé dans soleil œufs à pas de qualité quand il rentre quand il vient il pas payer taxe sous frontière et puis il rentre la caillou il y a une compétition avec fermier yo. Deuxième marché de royal qui gagne ces œufs frigorifiés ils sont dans plusieurs pays. Les cougnants, les réfrigérés, au qu'on a des températures que les fait voyager, leur arrivé, nous-mêmes, nous baguons des chambres frais, trois qu'à machin, nous baguons des chambres frais pour mettre. Leur cougnant, ils retirent leur réfrigérateur là, ils abandonnent le marché là, pour consommation humaine, n'est pas bon. Parce que, après un certain nombre de temps, ils gâtent. Ça veut dire que si on achète 115 œufs, on n'a pas le 25 œufs immédiatement. Au compte qui j'ai bagalan, il prend le passé misé sur marché en vend que il vend tout et puis qu'on y a consommation humaine, c'est des désavantages, c'est client qui paye conséquences. L'État haïtien lui-même tout semblait une grosse préoccupation face à la production agricole haïtienne qui passe suspendue pour un gros patasuel depuis quelques années. Comment responsable d'un ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural ou question c'est là, n'a pas direction d'Amiens. Moi-même, c'est agronome Damoclès Terméus. Moi, c'est chef service dans le ministère de l'Agriculture. Moi, responsable de la station agricole d'Amiens. Là, nous avons la station agricole de Damien. C'est là que vous faites expérience. Toutes questions volailles. Moi, je vais vous montrer nos dispositifs qui gagnent pour production des œufs, dispositifs qui gagnent pour production pétade, dispositifs qui gagnent pour poulet de chair. À chaque période, nous gagnons pour production d'œufs. À chaque période. Ouais, normalement, il est sorti dans 3 gouttes. Actuellement, là, il y a 4 gouttes 50 comme coût de production en gagne dans l'État. Pourquoi pas y'a vu mettre dans là? Ça, c'est un modèle de production au sol. Nous finissons d'expérimenter, nous regardons combien il coûte. Si elle veut produire 50, il y a un coût. Si elle produit 100, il y a un autre coût. Si elle produit 500, il y a un coût. Et si elle produit 1000, il y a un coût. On est à partir de ça, elle veut avoir une pointe technique là, la reproduire, la qualité. Augmenter la production. Donc nous-mêmes, comme nous faisons pour l'expérimentation et que faut continuer à faire l'expérience, hein, nous venons à un prix qui est subventionné et que dans l'autre saison, dans l'autre cycle, nous mettons notre quantité encore pour être capable de réexpérimenter. C'est-à-dire que ponctuellement, nous toujours avons expérimenté quantité poulet de chair, quantité œufs, quantité pintade qu'a fait dans un pays. Pour être capable de dire, bon, si elle veut produire telle quantité, mais qui marche de bénéfices qu'elle gagne. Et qui technique quelqu'un doit utiliser pour capable arriver à faire production sans perte ou bien pour réduire perte. Agronome Damoclès reconnaît gagner en pile potentialité jeudi à dans secteur ça pour vivre produit assez pour consommation locale là. Cependant, volonté seulement pacifique. D'où est gagné bon genre décision politique pour renforcer production. Nous t'as supposé jouer sur potentialité que nous gagnons et que pour nous capable augmenter production. Imaginez-vous, vous avez importé à peu près 1 200 000 œufs chaque jour. En mettant à $1, c'est $1,200,000 qui allait. Nous sommes capables d'investir comme ça et puis ensemble nous réorganiser la production dans le pays. Il y a une autonomie qui semblait à prendre temps pour accomplir les considérés force phénomène contre les bonnes. Réalité qui existait sous divers points frontaliers entre Haïti et la République dominicaine capable d'expliquer ça. Quatrième après-midi, machin, acheter, travailler, continuer à courir, monter, descendre. Dans les salles, dans la journée, un pile camion chargé, coulé, bas, déjà Paris pour prendre direction Port-au-Prince. Jeudi, c'est yon nan jou marché yo, frontière, Jimani, Malpasse, chauffé. Sous parti haïtien, au moins quatre agents police nationale là, uniforme yo, qui fin couvrir à poussière, monter la garde, n'a traversé barrière, frontière, dans l'idée pour n'al fourniger garder. Sous frontière, il est difficile pour monde qui vient acheter en quantité ou traverser parti haïtien avec marchandises. Qui donc, si Genzé Dominicain cap vend en gros ou bien en détail sous territoire haïtien, c'est parce que produit ça y est passé en bas fil ou bien sous de l'eau dans le contrebande. Dans parti ça, sous territoire dominicain, c'est là point de vente l'an yé jour lundi à jeudi. Ici là, dans le moment où il y a plusieurs camions qui est stationné presque fin débarqué, c'est haïtien qui prend 14 et mettait dans boîte
bien marré pour faire traverser. Dans l'espace, les commerçants n'ont pas d'accord avec l'idée pour les journalistes haïtiens si tout poser question sur le commerce ZEA. Après un peu l'assistance, il y a un qui accompagne les grands commerçants dominicains décidé de parler avec nous pour quelques minutes. Un plaisir haïtien, mon acheteur. Parce que l'on vend sur l'île, on vend sur l'île. Et c'est ici où vous vendez surplus ou qu'est-ce que c'est? Ici, l'on finit comme ça avec combien de vignes sur frontière? Souvent, la machine balance seulement pour 400 caisses, mais plusieurs qui portent. Le cas pour 2000 caisses pour tout net, pour 2500 caisses. Ça dépend de quantité de machine qui vient. On voit. Quelle difficulté nous gagnons pour les vignes sur ici, place frontière? Nous avons quelques difficultés parce qu'il est interdit le bois là. Qu'est-ce qui est interdit? L'interdit. Je mets des brigades pour prendre la main, mon cabinet acheté pour caser. Moi, je vais acheter l'occasion, mais il y a une conversation de nous pas avant. Parce que nous avons acheté un bois. Je ne vais pas que tout le monde vienne. C'est à l'interdit qu'on y a là. Comment vous devez faire pour y passer ensemble? Il y a des gens qui montent de l'eau ensemble avec. Il y a des gens qui vont en moto ensemble avec. Parce que de voir passer dans la machine, il y a pas de l'occasion. Il y a même ces machines. Comment ça arrive? Bon, pour y a que ça, la vente $33 américains, $34 américains. 1600 personnes. Il y a 12 cartons dans la question. Est-ce que ça peut arriver qu'il y a un jeu qui vend mieux ou pas bon? Dans zone frontière Jimanian, des pays ont partagé un lac qui peut être un lac Azuéi. C'est sous lac si l'opération de transport contre Banyo menée en présence de plusieurs gardes dominicains. Dans zone embarquement, téléphone, caméra et micro interdit. Pendant l'approcher plus près, ils ont travaillé haïtien campé nous pour lancer nous l'autre pinga. Nous n'avons pas d'accord avec aucun journaliste haïtien qui a voté dans notre jour. Nous n'avons pas d'accord. Allez, ça n'a pas un pile problème ici. Après nous, même avec les qui sont bleus, on y a un pile de gens qui sont bleus. Nous n'avons pas un pile problème avec ça. Côté centimètre de nous, on a un goût, mais on n'a rien. Nous adressons à Gadio pour nous demander dans qui mesure nous sommes capables de poser les commerçants à travailler avec quelques questions sur l'activité commerciale. Nous sommes périodistes de los Estados Unidos et Haïti. Plusieurs appels téléphoniques, monter et descendre pour joindre l'autorisation, rien pas marché. Pendant ce temps, nous avons assisté sur toute la classe qui a latrié l'autre produit, même banane. Cap embarqué sous Ticanot, cap marron inspecté la douane. Comment est-ce que c'est difficile pour cause de la fête que l'on peut entrer? N'a prêté dans l'espace pendant environ 5 minutes, présent journaliste dérangé l'opération. Yon lot haïtien approché nous encore pour demander nous quitter espace là. Pendant les promettre pour faciliter nous joindre plus bonne information ak syndicaliste, machin kap mené activité commerciale sous frontière, mais fon d'après un autre rendez-vous. 24, 96, 97. Comment on est là? Bienvenue. Ok. Nous sommes un mobilisateur et puis nous sommes un actionnaire. Ni parti dominicain, ni parti haïtien. Ok. D'accord? Ok, ben. Ça veut dire que si nous avons un bon page, pour ne pas perdre du temps. Échange contact, rendez-vous cassé pour semaine prochaine dans le même espace là. Nous décidons finalement de quitter l'espace dominicain. Il est déjà fait 5 heures. Nous avons retourné sous frontière Malpass là dans 4 jours encore. Qui donc, lundi, qui c'est l'autre jour marché. Dans fond parisien, nous contactons le bureau de douane. Nous souhaitons voir qui gens travaillent institution à dérouler sous frontière. Travail quotidien qui fait dans la douane Malpass pour toute l'autre douane, c'est contrôler toute marchandise qui a sorti en République dominicaine qui a rentré en Haïti, yo respecté les normes, yo pas nocif pour la société, yo pas représenté un danger pour monde qui va le consommer. Sur toujours marché, on pas besoin toute qualité véhicule qui porter marchandise, on pas bon chiffre exact, mais sous garder là, on peut annoncer en plusieurs dossiers là, ça veut dire non parti pour une vingtaine au cours de la journée, car il y a une trentaine, une quarantaine, dépendamment de l'activité qui y a. Il y a des marchandises pour entrer avec eux. Et tant que farine, par exemple, faut qu'on gagne autorisation au ministère de l'Agriculture. Produit qui m'a dit pour gagner autorisation, faut qu'on gagne autorisation. Si ou t'as vina avec eux, ou pas gagne autorisation, certificat sanitaire, pour dire maintenant qui est à produit aïe, et que ou gagne autorisation, mais ça n'a pas fait facile, parce que on m'a pas le fonds investissement comme ça n'est pas sûr que les gagne autorisation pour le passer avec eux. Dans le bureau, ça, il y a aussi environ 64 employés. C'est un petit bateau 24 pieds longueur disposé pour faire civière sous lac là. Et donc l'État haïtien pas disposé aucun moyen pour contrecarrer phénomène contrebande qui a valé terrain sous frontière qui tournait en passoire pour économie pays d'Haïti.
Une situation qui vient dégénérer depuis des années, n'a pas rappelé l'interdiction qui était mettée sur 23 produits dominicains. Oui, il a augmenté avec l'interdiction de certains produits. C'est sûr que mon n'a pas passé la douane parce que il est interdit. Donc, il a toujours fait la contrebas. Est-ce que je dis à nous, puissant par rapport à ce qui est peut-être qui est en cours à l'arrière? Non, pas qu'elle est ça qu'elle est impuissant. C'est un bagaille qu'a fait en dehors de la douane. Puisqu'elle a fait en dehors de la douane, c'est en bas fil, la PC est passée, c'est pas sous bois ici, elle commence, c'est avec des complicités dominicaines. Donc, c'est pas une activité où qu'elle dit la douane impuissant parce qu'il n'est pas venu directement dans la douane. Si on a passé à côté, c'est l'État dans l'ensemble qui pour mettre le système pour contrôler, pas même marchandise en contrebande, mon illégal qui a traversé frontière, et là, on fait en bas fil avec une marchandise ou bien sous lac, ou par contre, qui marchandise lié, qui l'autre bagaille dans le jeu de Caladal, on passe ça, c'est lié entièrement au cadre de sécurité nationale, c'est plus que contrebande. Là, vous parlez de complicité dominicaine, vous parlez de l'État dominicain? Non, on ne va pas parler de l'État dominicain, on va parler de Dominicains haïtiens qui ont contact direct, qui ont fait commerce ensemble. Nous retournons sous frontière Malpasse. Pour ça, à quoi yon nan travail SAO, nous te croisé ça gagne quelques jours dans l'idée pour nous joindre plus bon genre information sur façon yon organiser commerce. Premier démarche là, c'est relayer dans téléphone pour établir contact avant même nous traverser barrière frontière. C'est là tout n'a comprendre qualité intérêt qui caché derrière affaires commerce illégales sous frontière. Nous disons pour qui ça nous vient. Nous même ce travail nous avons fait comme journaliste. Vous avez travaillé sur un théâtre, je me rappelle. Ça fait ça. Vous avez travaillé sur un théâtre, nous-mêmes, je n'ai pas géré plus loin, c'est bien nous casser le contact. Vous avez travaillé sur un théâtre, nous faire pour nous. Au moins, si vous avez de marché à ici, vous allez avec des marchés, avec l'autre pour nous. Nous-mêmes, nous-mêmes, c'est une histoire à nous, nous sommes chez nous. Nous avons des journalistes, nous avons des présidents. Le journaliste lui même il pas travailler dans intérêt qu'un monde sinon que dit qui Jean Bagay yo est. Oui, on peut faire mal de plus avant ça. Le monde monde ça c'est voilà. Jésus, c'est parce que nous demandons de nous de travailler avec dans le bon numéro. Ça fait nous même nous parler avant ça c'est pour nous même dans intérêt pour dans numéro pas que ça dans mais c'est pour ça ça parler avant mais c'est pas ça d'abord là l'eau venir pour nous pour faire photo. Situation contrebande sous frontière Jimani Malpasse pas différent avec ça qui a déroulé sous divers autres points frontaliers en Haïti et République Dominicaine. Yon nan l'autre plus gros point, c'est celui-là qui relie Wanamet avec Dabonne. Là, nous dans le département nord-est pays d'Haïti. Contrebande écrit en lettres majuscules ici là. C'est Joaz Abouzlin, c'est ancien président association commerçant. Wanamet, mais maintenant moi-même c'est conseiller association commerçant. Contrebande fait parce que pas gagné en force sous zone frontière là. Parce que les moun nan acheté produit, hein, l'obligé passer par de l'eau, pas gagné militaire, pas gagné force qui ka contrôler question contrebande là parce que police avec douanier qui gagne qui c'est brigadio qui était dans niveau pont mais il va qu'à faire zone frontière parce que pas gagne voir et puis il pas suffit peut-être à contrôler niveau contrebande qui gagne dans niveau frontière va mettre il passer œufs il passer viande il passer produits il interdit qui est capturé avantage dans commerce illégal zéa. Est-ce que c'est une machine qui a cherché la ville l'autre bord frontière mon capitaine produit ça est entré en Haïti pour consommer ou bien est-ce qu'il y a l'autre gros intérêt qui caché derrière contrebande ça? Est-ce qu'il y a l'autre main qui caché derrière contrebande ça? Il y a une série de questions à chercher à comprendre sous terrain. Hein? D'après information nous arrivons à joindre, mais il y a interdiction 23 produits dominicains profitables à un pile gros potentat haïtien. Il y a une action qui t'est passée l'autre jour là. Il y a une équipe moun qui vient dans la souhait, dans la douane ou dans la métlan, qui vient faire tout produit saisi. Avant de brûler, il y a une équipe douanier, zam nan main, nan assouré encore vin a container vin prendre tout produit saisi yo ça même si ça maintenant n'a cherche information pour demander côté produit ça yo aller ça on va faire essayer prendre pour y aller vendre pour pas prendre produit ça yo pour prendre voilà pour pas presse pour faire qui bagaille pour brûler pas presse pas brûler wana mettre c'est qui ça on va faire n'a traverser frontière wana mettre d'abonne là pour garder à quelques commerçants dominicains conséquence interdiction c'est là depuis des années sur une série produits dominicains. Somos periodistas, vamos por algunos minutos para ver el comercio entre los dos países. Là, pas de trop contrainte pour journalistes parler à concerner.
Mi nombre es Rafael Esteves. Nosotros estamos desde 2011. Moi, c'est Rafael Esteves. Moi, j'ai un magasin ici là depuis 2011. Avant, nous avions plus de clients. Mais quand il y a un client, il diminue en pile. Nous avons venu acheter en pile produit en cours mouri, aran, pâte alimentaire, l'huile cuisine, farine, la crie. Moi, pensez pour qu'il y a, la vente diminue à 40% sur le marché haïtien. Les clients n'ont pas voulu venir parce que les gens viennent acheter, ils ont saisi marchandises. De quel lado, quand ils vont cruzando. Nous a présenté félicitations nous avec Michel Joseph et tout groupe là qui met ensemble fait grand reportage ça Caraïbes FM c'est une bénéficiaire là donc grand reportage Michel Joseph Kouem Dolan Ami Boakan dans tête coulée avec Round Health Media avec Radio Caraïbes yo présenté un reportage ça qui montrait conditions vie en commerce entre Haïti avec République Dominicaine et puis combien je nous consommer pour la caille voisine. D'où la nécessité moun ki gen kobyo font tête à tête coller ensemble ouais si na meton bon production je na pays parce que haïtien consommer en pile je